Amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous êtes bien. Moi, ça va très très bien. On va continuer sur Exotica Pet Shop. Donc là, on n'a que 27 $. Donc, on va ouvrir le magasin afin qu'on puisse gagner des sous-sous. Parce que là, on est complètement fauché. Donc, en attendant que les premiers clients arrivent, nous, on va vérifier si tout va bien. Donc, normalement, ça, les hamsters, c'est bon. Et donc, là, on va voir si on a des oiseaux dans notre dépôt. On n'a plus d'oiseaux. On est pauvre. Bon, on verra ça tout à l'heure parce que là on n'a plus d'argent. Et au niveau des poissons, donc assis. Alors attendez, assis. J'en ai plus. Bon. Yellow, 15 sur 15. F. F. Ouais, attendez. C'est bon. On va mettre des 13. Non, attendez, on va mettre 7 comme ça. Et on va mettre 5. Yellow, c'est bon, ça fait 15, ça fait 15. Là, il faudrait que je nettoie. Donc, ça fait 15. Et Red Zebra, 14. Donc on va remettre Red Zebra, on va mettre sûr. Oui, j'ai les factures, bien entendu. Donc, on va prendre ça. Comme ça, je vais vous montrer comment on paye les factures. Donc les 8 heures, donc, attendez, on va fermer la boutique parce que on va payer les factures. Attendez, on va couper la lumière parce que les factures, je vais vous montrer. Alors, c'est information facture. Donc, on a que 4,49 $ et les factures 12 euros pour l'instant. C'est bon. Allez, on va payer les factures. Donc, là, on va aller vite fait à la banque. Donc normalement ils ont corrigé hein, ce bug parce que j'ai eu un petit bug la dernière fois. Donc on appuie sur E, on rentre le code, entrée. Donc là on va payer les factures EDF là. Donc 4 euros, 4 $ 49. Et c'est là où c'était le bug. Donc là, ils sont réparés. Maintenant, on va tout payer. C'est bon. On va quitter. Partir un jour sans retour. Voyager. Donc là, c'est la choupinette. Hein. Donc là, on va ouvrir notre magasin. Parce que là, il est 9 h. Donc là, on a tout payé normalement, toutes les factures. C'est bon. C'est rayé. Première facture payée. Allez, on a 22 $. Hein. Bon, maintenant on va devoir attendre. Hein. Venez, venez, Coco. Donc dans notre stock d'inventaire. On a 30 filtres, donc ça c'est bon. Faudrait que je rachète ouais, la nourriture pour les oiseaux là. Et les mangeoires aussi, il faudrait que je rachète tout. Pas tout. Tout est fini entre nous. Donc, bon, en attendant, on va nettoyer. Hein. Donc, on prend la sapière. Comme d'habitude. Donc, allez, on nettoie.
C'est bon, on met ici la serpillière. Donc là, on a 6 cages. 6 cages d'hamsters et d'oiseaux. Et 6-7 aquariums. Version 65 multiplié par 40 fois 24. Parce qu'il y a plusieurs tailles d'aquariums. Par contre, il faudrait qu'on rachète d'autres tables. Si on veut mettre des aquariums plus grands. Qui sont encore débloqués. Il faut avoir le niveau 7. Ils sont 80 fois 44 fois 28. Donc je vous laisse prendre la calculatrice et vous me direz par commentaire. 80 multiplié par 44 multiplié par 28. Lol. Hey. Mis à part cette blague qui est très marrante. Donc là, on a un client, deux clients. C'est parfait. On va gagner les sous-sous. Donc on n'allume pas la lumière parce que on fait des économies, hein. Parce que, bon, moi je suis un radin, moi. Allez, c'est les jumeaux. Allez, c'est parti. Allez, on est ça. Ah, je crois que j'ai pas ça. Non, attendez. Ah si, j'en ai tout. 424, c'est bon. C'est... Ah, 652, c'est parfait, c'est reparti pour un tour. 1 100 $. Alors, pour 1 100 $, bah écoutez, on va acheter, bah on va acheter, bah on va acheter, on va acheter, hein. Et on va acheter quoi? On va des oiseaux. Parce que les hamsters, c'est bon. Ouais, on va acheter que les oiseaux. Dans un premier temps. Alors, oiseaux. Tac. Toujours. Là, c'est niveau 4. Hein. Pour avoir d'autres oiseaux. Donc, on va prendre toujours pareil. Pour l'instant, 10. Comme ça. Et 10. Comme ça. Allez. Pour l'instant, ça suffit. On va pas non plus dépenser trop. Parce que là, on est au niveau 3. Donc, on va bientôt débloquer le niveau 4. Donc, on va avoir d'autres espèces. Mais par contre, si j'ai d'autres espèces, il faudrait que je rachète d'autres étagères là. Et ça, c'est pas gagné. Donc, parce que ça coûte trop cher après. Voilà. Oui, j'arrive. Ça, c'est bon. Ah bah, il faudrait que je rachète ça. Parce que j'en ai plus. Ça, c'est bon. Et bien sûr, on a débloqué deux poissons et un oiseau. Au niveau 4. Donc pour ça, il faudrait que j'achète une étagère et deux aquariums. Et voilà. Ça, attendez, on verra ça. Bon, pour les aquariums, on verra ça plus tard. Parce que je crois que déjà, on va acheter les oiseaux. Se cache pour mourir. Dans un premier temps, on va acheter les Love Beaked. On va acheter. Et on va acheter des 20. Comme ça, 20 par 20. Et ça coûte. Ouais, ça coûte quand même $60. Hein. Est-ce que je. On est des fous. On va acheter. Allez. Ça fait 2003. Bah oui, bah,
Attendez, on va réduire, mettre 10 par 10. Parce que j'étais trop gourmand. Et même ça, c'est. C'est bon. On verra ça tout à l'heure. Pour après. Parce qu'il faudrait que je rachète pour les. Ça, c'est bon. Allez, allez, dépêche-toi. Arrête d'écouter ton Walkman et. Et viens acheter des trucs. Hein. On n'est pas là pour écouter de la musique. Hein. C'est bon. Donc là, on va prendre ça. Donc là, c'est les oiseaux se cachent pour mourir. Donc normalement, donc là, comme ça, on va les mettre ici. Donc on va aller inventaire, dépôt, poissons, enfin animaux, là, oiseaux, et on met les loves, comme la Saint-Valentin de hier soir. On était dans les loves. Donc on va mettre 8 comme ça. Et on va mettre 10, on va mettre 10 comme ça. Et on va mettre à manger pour les cocos. Les perruches, oui, j'arrive. Je leur donne à manger, sinon ils vont crever. Là, c'est bon. Ouais. Attendez, on va. C'est bon. Je croyais que. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Calmez-vous là. C'est bon, 432, c'est parfait. 141 $, c'est parfait. Par contre, ils m'ont vidé le stock. Alors, attendez. Est-ce que les hamsters. C'est bon, au niveau de la faim. Donc ça, oiseau, comme ça, on va mettre tous les oiseaux. Comme ça, moi, comme ça sera fait. On met les 6. Comme ça fait 10. 12 et 14. Ouais, je sais compter les cocos. Donc ça, c'est pareil, on va mettre les 6 comme ça. Comme ça, on va 2. Voilà, comme ça, j'en ai plus. Animaux, animaux au dépôt. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Faut mettre l'œuf par l'œuf, oui, c'est vrai. Faut pas les mélanger. Par contre, l'œuf, ouais. En fait, faut pas mélanger les espèces. J'avais oublié ce petit détail. C'est comme les poissons. Donc c'est, allez, c'est bon. Il faudrait que j'achète ça. Hein. Allez, tiens, on va acheter maintenant, comme ça sera fait. Parce que là, monter un magasin. Allez, ça, dans c'est ça. Oh, je sais plus. Cache d'oiseau, ouais, c'est ça. On va acheter 10. Parce que non, à 20 et 20, on est des fous. Et même 30, et 30. Et 30 comme ça.
Enfin, je fais plus par plus parce que après, c'est si vous me faites plus et moins et en m'attendant à tout chômage jusqu'à ce que je couche, ouais, bon, c'est un peu compliqué pour moi. 30 et 30, hey. Ah, ça fait quand même 1650, hein. Mais bon. On a deux choupinettes, c'est parfait. Par contre, il faudrait que je rachète des cages d'oiseaux. Donc, elle veut quoi la choupinette? Des hamsters. Il faudrait que je rachète ça aussi, voilà, je te jure. Et pendant qu'on est ici, on va c'est ça. On va acheter le vin. Et comme ça, on va mettre dans notre stock pour qu'on puisse les vendre. Allez, c'est parti. Je sais pas où, mais il est parti. Attendez, il n'y a pas de client. Non, c'est bon. Vous allez voir l'avion qui lâche la montgolfière, le colis. C'est l'Amazon Prime qui nous livre ça. Attendez, on va allumer quand même les lumières parce que sinon. Vous allez rien voir. Mais comme je suis un radin, c'est vrai que. Est-ce qu'on attend? On attend. C'est bon. On attend. Donc. Ah, comme ça, oui. Oui, j'arrive. Il faudrait que j'achète Vitel. Elle veut quoi la choupinette? Bon, c'est pareil, à mon avis. Donc, ah, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. Ouais. Donc là, on va mettre vite fait en stock ce qu'on a acheté. On va mettre vite des filtres comme ça. Il faudrait que je rachète des filtres. Et on va mettre les 30 et enfin les 20 maximum. Comme ça, après ça, c'est bon. On va mettre les 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et 20. Ça fait 21. Et après, j'ai plus rien. C'est bon. Comme ça, c'est fait. Putain, ils sont. Ça. Donc là, comme il fait nuit, enfin, il fait nuit. Comme un poisson, donc ça c'est bon. Niveau 6, il y a le koi. On verra ça pendant la nuit quand tout le monde dort. Et comme ça, on va commencer parce que il faudrait que j'achète des étagères pour les aquariums. Alors, Coco. C'est bon, 307 dollars. 542 dollars. C'est parfait. Hein.
Par contre, ouais. Par contre, il faudrait que je rachète des cages. On essaie qu'on va faire une. On va acheter juste. Ouais. Ah, est-ce que c'est. Ouais, mais ça coûte combien ça? $800. Ouais. Et on va jeter les courriers. Et on va jeter ici, on va mettre comme ça on aura chez les vents comme ça. Oui, j'arrive. Attendez, ouais, faudrait que j'achète les aquariums là, et des filtres. Alors, attendez, ça. Donc ça c'est bon. Donc on va acheter juste un aquarium dans un premier temps. Un filtre. Et pour l'instant, on va acheter juste ça. Comme ça, ouais. Et après, on va fermer la boutique, comme ça on sera tranquille. Après, on s'arrêtera ici. Ouais, on va chercher. Allez, tac. Ouais, 2007, comme ça on va s'arrêter ici. Afin que je sois tranquille, parce qu'il faut après, il faudrait que je rachète d'autres cages. Et après, parce que là, ça fait ça fait presque une demi-heure, 23 minutes. Donc, c'est bon. Le temps qu'on place tout, donc normalement c'est bon. Alors on va placer ici déjà dans un premier temps inventaire dépôt déjà stand on va mettre. On va se mettre bien comme il faut. On essaie de bien le mettre l'un contre l'autre. Et tant qu'à faire, on va mettre. Ça, pareil ici pour les oiseaux. De toute façon, on aura besoin dans les deux cas. On va essayer de mettre bien comme il faut. Bon, attendez, on va déjà mettre ça. Voilà, comme ça. Donc on va prendre le tuyau pour remplir.
Ensuite, on va mettre le filtre qui est ici. Ensuite, le poisson, le cori. On va mettre 7 comme ça. Et 7 et enfin 6. Oui. Pour faire 15. 7 et 7, 14 et 15, 8. Et il faut. Allez, on va leur donner à manger. Attendez, à chaque fois je me trompe. C'est aliment. Oiseau. Ça. Voilà. Bon, attendez, on profite. Ça. 40, 42, 40. Et on va nettoyer les aquariums. Donc pour ça, il faut prendre l'éponge. Astiquer. Donc on va astiquer. On va astiquer tous les aquariums. Comme ça sera fait. Voilà. Ensuite, les oiseaux. 75. C'est bon, c'est bon. Ouais, tout est bon. Pour les oiseaux, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, on va acheter les cages. Comme ça. Ça. Ah, les cages d'oiseaux, on va acheter. Va acheter 10 par 10 dans un premier temps, juste pour que. Oui, à mon avis. 10. Et on va racheter ça, les hamsters. Cages. Ouais. Mais par contre, 5002. Bon, on va acheter que 5, mettre 5 par 5. Juste pour voir. 2004. Ouais, c'est bon. 2006. Et c'est bon. Et comme ça, ensuite on est au niveau 4, 30%, on va dire. Facture, c'est bon. Ah, facture d'eau, 0 dollar. Bon. Et après, on s'arrêtera ici. Attendez, on va remettre comme il faut l'éponge parce que ça dépasse du mur. Tac, allez. J'ai acheté quoi? Les cages, oui. Ça, allez. Ça, on met les 5. Comme ça c'est fait, donc ça on remet les 5 aquariums comme ça. Et voilà. Bon ben voilà, donc on va nettoyer et ensuite on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme ça, demain on va réouvrir la boutique. Pour
Ouais, c'est tout. On va remettre ça à sa place. On ferme la porte. Donc, au niveau de la faim et manger et boire, enfin, c'est bon. C'est pas la peine qu'on aille bouffer. Donc, voilà. Donc, donc les hamsters, c'est bon. Là, il faudrait que je rachète d'autres caches d'oiseaux, mais ça, on verra ça plus tard. Et d'autres aquariums au fur et à mesure. Et voilà. Et au niveau des filtres, est-ce que j'en ai encore? Ouais, c'est bon, 3. On va en remettre un de plus. On va mettre 2 de plus, comme ça. Take. Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on va s'arrêter ici, en tout cas. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de, comme d'habitude, hein, likez, abonnez-vous, etc. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Et bien entendu, on va continuer un petit peu sur ce jeu. En attendant la suite de ce jeu. Parce que là, ils sont en train de faire la suite. Hein. Pet Shop 2. Qui va sortir en 2024. Je pense que à la fin de l'année. Hein. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.